pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum. Donc petit Coliseum quand même où on a vachement l'avantage. Je vais jouer mon tour et ensuite on va faire la présentation des teams. Ça risque de laguer pendant 2 minutes, même pas encore, parce que je suis en train de faire le rendu d'une vidéo en même temps et j'ai trouvé ce Coliseum qui m'avait l'air plutôt sympathique. Donc j'ai envie de le filmer pour vous. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais invoquer le Doppel, vous savez quoi. Je vais invoquer le Doppel et je vais me placer de façon à aussi choper les PA avec Lenny Ripsa. Donc du coup je vais attendre un peu avant de passer mon tour. Je suis avec Speeders, un Yop 200 en Mrs. Freeze et avec Maestri, un Lenny Ripsa en séculaire. Et en face on a Arnial, un Osamodas 193 qui est plutôt bon, qui gère bien et qui est vraiment full invoque. Magistris, un Enyripsa en 10-5 sûrement en feu et Rubilax Yop R d'après ce que je vois. Donc voilà mon rendu qui s'est terminé, magnifique. Donc du coup ils ont essayé de tuer mon Doppel. Donc on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Premier colis, ou je sais pas comment ce sera, si vous en avez déjà vu un avant, je sais pas comment je vais gérer mes vidéos, mais je suis avec 5000 de points de vitalité. Donc c'est parce que tout simplement j'ai eu le Dofus Emerald. Donc du coup, eh bien c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a des sacrés qui ont moins de vita que moi à mon level. Donc voilà. Et ça c'est diabolique. Mais bon, on va pas tout en faire un cinéma. On va pas tout en faire un cinéma, voilà. J'ai réussi à parler. Alors. Bon, apparemment, ce qu'il voulait, c'était taper l'Osamodas. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est pas se faire non plus déchirer la gueule par le Yop R, même s'il tape quand même assez fort à l'épée céleste, même si ça va. Hein. J'ai plus de résistance que Speeders au niveau de l'air. Moi, j'en ai 30, lui, il a 14%, donc il a moitié moins de résistance que moi. Faudrait pas trop tarder non plus à se booster. Et après, bah moi, tout simplement, ça va être gros rush. Hein. Et il y a plutôt intérêt que les Nyripsa Maestri soutiennent bien derrière. Parce que ça va envoyer du pâté. On va pas rester jouer 30 secondes avec ça. On va pas s'amuser dans le bac à sable avec nos Zizi, quoi. Alors, Speeders qui s'est positionné, mais qui a pas l'air de vouloir jouer. Ok, d'accord, parfait, nickel, très bien. Bon, bah, dommage, on a raté le tour de Speeder. Non, bon, apparemment, lag de Coliseum. Ah, bon, bah, déconnexion de Speeders, qui a quitté la partie et qui se reconnectera, peut-être, ou peut-être pas. Ah, Speeders qui vient de se reconnecter, donc il a bien eu un bug de... qui a eu bien eu un bug de connexion, parce qu'il a déco reco. Donc du coup, bah on a raté un tour de boost. Bah c'est dommage, on va pas rester jouer, comme je disais. Hop, nous, on rush. Voilà. Et pas tellement, parce que sinon, je risque de me faire désenvoûter, en fait, par le Osamodas. Donc du coup, on va rester quand même assez soft. Hop, on va le jouer au top cage. On va jouer le Yop aussi au top cage. Et on va pouvoir revenir, nous, et eh bien tout simplement un peu plus loin ici. De toute façon, si on veut tuer l'Osamodas, il va falloir que Magistri il soigne pas trop et que le Yop il tape un rush Speeders. Sinon ça va pas trop le faire. En plus on n'a pas encore mis d'érosion sur Arnial plutôt, excuse-moi. Pour si j'ai ébréché ton pseudo. En plus il se lance là un petit mot de prêve. J'ai joué raccourci, ça m'a fait lag. Bon bah nickel. Au moins on est au courant qu'il faut pas trop jouer au raccourci dans ce combat là. Bon voilà, vous voyez Arnial qui s'est fait complètement reconstituer. Oula, j'ai un peu du mal moi ce soir. Ouh. Du coup, bah, va falloir le choper et le rusher, ou alors on se tape Rubilax avec ses 6000 points de vie qui sont quand même assez énormes. Nous aussi, hein, on a un bon ennemi, faut pas se le cacher, on a un ennemi en séculaire, donc ça c'est quand même carrément pas ce qu'il y a de mieux en question de soins. Parce que là, vous voyez que là, pareil, bah, Speeders, Maestri nous a complètement recon tous les deux en fait.
On n'a pas trop de mal à se faire. En plus, il y a une DD. Putain, il a une DD Ben le Yop, sérieusement? T'es sérieux, Rubylax? T'as une DD Ben. Putain. Excusez-moi, mais tu mets pas une DD Ben, quoi. Tu mets une DD Emerald Rose, même si t'es. En plus, t'es même pas. T'es en 12-5, tu mets. Ah ouais, mais peut-être qu'il a une cape Xa, je sais pas. Alors, bah, du coup, il fait des dégâts sur Spillers, là, qui prend quand même assez cher avec les épées du jugement. Alors là, Spillers qui s'est quand même bien rapproché. Bah, du coup, il va faire son tour de boost là. Mais ça va faire encore un tour où il va pas jouer. C'est assez dommage. Du coup, moi, ce que je propose, c'est un petit rock sur. Bah, on va continuer sur Arnial. Ou alors il va se barrer parce que de toute façon, il va invoquer son dragonnet là. C'est le tour où il va invoquer son dragonnet, je suis sûr et certain. Il va me désenvoûter. Ou va peut-être désenvoûter. Non, voilà. Vous voyez, il a invoqué son dragonnet. Il va lui donner PA, PM et il va venir sur moi. Et comme c'est moi qui ai la ligne de boost la plus importante, je pense, bah, ça va être moi qui va me faire des buffs. Parce que j'ai perception, roue de la fortune. Ah non, bon, bah ça va être Speeders. Bon, bah. Nickel. Non, c'est dommage. Ils auraient. Le Yop qui se fait des buffs, c'est plutôt dommage, dommage. Alors. Bon, bah du coup, on va rush, on va rush, on va rush, on va rush comme ça. Faire petite roulette. Sans dommage de pousser. Ok, bon bah nickel, ça va faire plaisir au. Ça va faire plaisir au Yop, ça. Hop. Nickel. On a zone érosion. Hop. Et là, on va faire double bluff sur l'Ozamodas. Comme ça, au moins, il aura du soin en moins. Profite pour deux poux Speeders. Voilà, au moins c'est dit parce que là il va lui mettre pas mal d'érosion parce que c'est un Yop en Mrs. Freeze. Donc normalement s'il est bien préparé, il a du deux poux. Et donc il va lui mettre masse d'érosion. Et là Aranial déjà il a pris voilà, il a pris 6, pratiquement 600 d'érosion je crois. Même plus, il a pris 500 et 300, il a pris, je sais pas combien ça fait 6, 7, 8, ça fait 800 d'érosion. Roulette de pouf. Voilà, au moins c'est dit. Parce que tu vas pas rester glandé ici. De toute façon, faut taper, tu vas pas rester glandé. Au moins ça s'est dit parce que s'il reste là, oh non je vais rien taper. Il va rien pouvoir rester faire ici. Bah il est plus boost, il a juste perdu 300 de puissance quoi. C'est pas non plus énorme hein, ce qu'il a perdu. Donc on va bien voir. En tout cas Lenny qui a soigné Maestri, moi qui m'a pas soigné moi. Ouais je veux être soigné aussi grosse. Alors Rubylax, qu'est-ce qu'il va me faire le petit Ruby? Ils ont tous les deux de l'érosion. Ah, il va sûrement essayer de trouver une zone ou épée de jugement sur Speeders. Ils ont l'air de plutôt taper sur Speeders que sur moi. Bon, en même temps, Rubylax, le Yop R, voilà. Bon, il va faire un bond. Il va sûrement essayer de faire un rush sur Rennie plus Yop. C'est plutôt bien vu. Et je sais pas s'il a vraiment 13 PA ou quoi là, mais c'est assez énorme. Bah, il a, ouais, il a Dom PA, Rennie plus Oza. C'est quand même balèze. Et donc du coup, ben là, ils se prennent gros rocks quand même. Alors qu'est-ce que va nous faire Speeders? Est-ce qu'il va venir rush sur Rosa ou est-ce qu'il va venir. Il va laisser. Ah ouais, bon il va aller rush, un bond, il y aura 7 PA. Des dagues, mais des dagues. Mais non! Mais non, t'es sérieux là? Faut pas faire ça! T'es con! Oh là là! Sérieusement, ne jouez jamais avec vos dagues contre un ennemi ou contre un féca. Oh là là. Oh le coup de dague inutile. Oh ça fait peur. Oh là là. Il va crever. Mais non, il va pas crever. Qu'est-ce que tu racontes encore? T'inquiète pas. Au calme. Moi ce qui serait bien, c'est que j'entame vachement quand même très très bien Arnial. Sachant que là, il peut pas bouger. Ah si, il peut bouger. Bon, bah dommage, il va se barrer par rapport il va se barrer du caca Speeders. Moi, en espérant que je puisse avoir la ligne de vue avec Top Cage, au moins. Ah non, bah il était taclé, parfait. Bah il reste à mon corps à corps. Ça m'arrange bien. Ça veut dire que j'ai quand même masse de PA là, vous voyez.
Hop. Et donc du coup, bah, je vais lui mettre masse d'érosion encore une fois. Hop. Je veux juste voir son érosion qui descend. Ouais, ça descend quand même vachement grave. Hein. On va chance Peters parce qu'il a l'air de vouloir que je le chance. Voilà. Au moins, il me laissera tranquille. Il me traitera pas de noob. Noob, tu m'as pas chance. Alors, un petit tout ou rien, histoire de le soigner. Un destin aussi. Et là, Arnial qui a pris très très cher. Il lui reste plus que 1821 points de vie. Et qui est en train de baisser quand même beaucoup avec l'érosion. Et là, mon Doppel qui part à l'assaut de Rubylax complètement à l'autre bout de la map. Et là, c'est surtout Maestri qui risque de prendre cher. S'il reste là-bas à côté du Yop. Bon, il va pouvoir fuir parce que sachant que le Yop en plus ça fait sa précipitation. Ça va être tranquille. C'est chaud quand même comme combat. Ils ont quand même l'avantage d'avoir deux piliers en face d'eux. Avec eux, du moins. Bon, nous, on va pas râler non plus, on a l'Inirippsa. Mais ils ont quand même bien la chance d'avoir deux piliers. Et les Nids qui tapent contre la chance des Gaflux. Mais c'est quoi ce combat? C'est quoi ce truc de ouf? Les gens ils font des erreurs mais tu te fais mais comment ils font quoi? Même moi je fais pas ça parce que c'est quand même les bases, tu tapes jamais face à un Noza avec des dagues et tu tapes jamais que sur une chance d'écart maintenant avec la nouvelle chance d'écart en plus, c'est surtout ça. Oh là là. Bon, j'ai pas envie de dire mais ça fait quand même déjà 4 tours qu'on essaye de tuer ce putain d'Oza. Qu'on essaye de tuer Arnial. Donc c'est pas que ça commence à m'énerver, mais on va pas non plus faire un colimaton, comme on avait fait la dernière fois. Surtout qu'on risque d'être dans le caca si Maestri meurt, nous. Alors, Spiders, vas-y, tue-moi Arnial, tue-moi ça. Voilà, des coups de dague, mais cessez, s'il te plaît. Oh là là, pourquoi tu cessais pas? Ah, nickel. Bon, Arnial qui est mort du coup grâce au Yop. Par contre, on a pas eu beaucoup de on a eu de la chance plutôt, je pense, parce qu'il n'a pas cessé. Alors, Magistri. On va lui dire, on va lui répondre, cessez pas. C'est normal. Alors, oula, Rubylax qui abandonne. Bon, bah en tout cas, là, c'est du rage game. Après avoir perdu l'Ozamodas. Bon, bah c'est assez dommage. Magistri qui se retrouve tout seul, du coup. Bon, bah Magistri, hop. Tu vas prendre cher. C'est l'heure de... Pourquoi il... Ah oui, d'accord, il y avait un putsch sur l'Ozamodas. Pas sur l'Ozamodas, sur l'Inirippsa, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah du coup, victoire assez facile, vu que Rubylax, il a abandonné. Et que Magistri, eh bien tout simplement, il se retrouve tout seul face à 3, même s'il a le gros coup d'épée de Tomé à moins 1330, la Flamiche à moins 410, allez! Vive la chance des K x2! Ça fait plaisir toujours à voir, mais bon. Là, ça va être assez rapide à tuer Speeders. Bon, en plus le petit mot d'altrui histoire de même s'il rentre même s'il est bug même s'il est dans l'état insoignable Speeders voilà j'ai réussi c'était compliqué alors là il joue toujours à l'érosion même si ça sert pas à grand chose il va se booster il va sûrement mettre un coup de dague aussi hop. Et il sait pas, il a pas de chance, soit il est pas 1 sur 2, soit il a vraiment pas de chance, parce qu'il sait pas. Et, oh, la petite épée divine, là, moins 852, qui fait toujours plaisir, qui sort un peu de nulle part, et il lui reste 23 points de vie. Donc du coup, bah, ça va être à moi de le finir. Comment je le finis? En deux poux, à la libé! Ou alors, l'arachnée. Ah non, mince, je peux pas invoquer l'arachnée. Du coup je lance un apprivoisonnement de DD. Je vais lancer la capture d'âme. Voilà. Hop. Et je vais faire une petite libé. Allez tchuss. Allez bye tout le monde. J'espère que ce colis vous aura plu.